Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It for Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et je vais vous montrer donc comment travailler des côtes anglaises aujourd'hui et comment on peut les travailler en vrai. Donc ça c'est les côtes anglaises quand on les travaille à plat. Donc c'est vraiment sympa. C'est réversible. Voilà, ça vous fait aussi donc quelque chose de voilà, d'assez épais, de sympa. Donc ça peut être sympa pour quelque chose de moelleux, par exemple un bonnet ou bien une écharpe, un petit pull. Vous avez vraiment plein de possibilités que vous pouvez faire avec ce point. Et puis comme vous avez pu le voir si vous avez vu la vidéo précédente sur voilà, comment faire les côtes anglaises quand vous travaillez à plat, vous avez vu que c'est aussi un point qui est assez facile à réaliser. Bon voilà. Donc, vous pouvez voir aussi, hein, on habite. Voilà, ça peut avoir l'impression que vous avez besoin de beaucoup de fils, mais en fait, bon, c'est le principe, c'est juste pour donner vraiment beaucoup plus de relief, d'élasticité au point. Voilà. Donc, c'est. Donc, là, pour un petit peu la. Petite introduction par rapport à ce point. Voilà. Donc là, on va devoir donc avoir besoin de ce. Voilà, donc en relief. Donc c'est un point qui se travaille en trois. Le rang numéro 1, c'est vraiment le rang de base. Et ensuite, les rangs 2 et 3, ce sont vraiment les rangs que vous allez ensuite répéter, en fait. Là, c'est pour le principe au niveau de ce point. Et on va pouvoir donc démarrer avec tout ça. Donc ici, j'ai préparé, donc, comme je voulais vous montrer, mon tout petit point comme ceci. Alors, un petit motif écrit, petit schéma. Donc c'est juste voilà, pour avoir le principe et vous donner une petite illustration pour mieux comprendre le principe. Voilà, et vous faites tout ça d'un endroit à un endroit parce qu'on va tricoter bien sûr en circulaire. Donc du coup, ce sera un travail en rond. Donc, on commence avec un jeté, une maille qu'on glisse et jeté et une maille en droit. C'est un peu le principe. Et au rang suivant, on va tricoter ensemble les deux mailles en droit et ensuite on va voilà, reproduire de nouveau le maille glissé et jeté et ensuite on alterne à nouveau. Donc le but, c'est d'alterner ce que l'on vient de faire pour redonner ce rendu-là. Très bien, donc là, voilà, on a notre... on a donc un nombre pair de mailles de monter sur
des aiguilles circulaires. Vous pouvez faire attention que toutes vos mailles soient bien orientées quand vous les avez placées ici sur vos aiguilles circulaires. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à tricoter. Voilà, donc là j'ai ça de fille et en plus ça, je tricote une maille en droit normalement. Voilà. Donc là, je glisse. Je tricote une maille en droit. Ensuite, on glisse avec jeté. Donc, vous passez le fil devant, vous avez vu, et puis vous le passez ensuite derrière automatiquement. Voilà, vous le passez comme ça. C'est normal, hein, au début, votre jeté est un petit peu faire bizarre, parce que c'est pas encore vraiment bien fermé. Mais vous verrez qu'en travaillant plus durement, etc., en finissant le tirage aussi serein, ça ira mieux. Alors une maille en droit, une main, et puis ensuite envers avec jeté. Là, on va pouvoir ensuite donc poursuivre ici, donc on alterne, et ici on veut, voilà les deux ici, on va aller tricoter envers ensemble, donc de le jeter plus, voilà, donc c'est possible que ça puisse glisser comme ça, attention, non, on fait bien en sorte de sécuriser ça avec votre jeté. Et on va tricoter les deux envers ensemble. Donc je mets le fil devant. Je passe bien de la droite vers la gauche dans ces deux mailles. Ici, plus jeter plus la maille glissée. Et on tricote le tout envers. Et en faisant ça, ça vous permet d'ajuster et de fixer mieux de mieux fixer votre l'ouverture de votre cercle en fait, et de bien et de mieux fermer votre cercle au final. Les deux mailles ensemble envers.
Voilà, après, je poursuis comme ça tout le long du rang. Voilà, vous voyez, vous avez les deux mailles que vous tricotez ensemble en vert, et ensuite vous refaites derrière encore une augmentation. Le rang numéro 2 est terminé. Voilà, vous avez vu ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc les deux mailles fermées ensemble. Vous avez le jeté aussi. Et voilà. Et là, on va continuer avec le rang numéro 3 avec un jeté. Ici, on a juste une maille. Donc on va la glisser avec le jeté. Et dès que vous voyez deux mailles, elles seront à tricoter ensemble en fait. Ça, c'est le principe de ce point. Si jamais vous êtes mélangé un petit peu les pinceaux, par exemple, c'est un moyen de vous y retrouver. Voilà, là on arrive presque, voilà. Je vais juste vous montrer, on arrive vraiment presque vraiment à la fin. Donc là, je vais vous montrer, donc bon, si on met tout ça de côté, bah, où j'en suis, il y a moyen de s'y retrouver, voilà, parce que ça arrive de faire une pause. Et après, ben, on revient, et oh mince, j'en étais où? Donc là, je vous montre. Ici, vous n'avez qu'une seule maille. Donc, le principe, c'est qu'il faudra... l'idée, c'est de la doubler. Parce qu'on ne peut pas tricoter une seule maille avec une autre maille ensemble. Voilà, comme ceci. Enfin, c'est où? Ici, donc, vous voyez vraiment le trait dessus. Donc, ça veut dire que voilà, c'est celle qu'on va glisser sur la maille avec le jeté. Et ici, vous voyez les deux recoupés. Vous avez le jeté et la maille comme ceci. Donc ça veut dire que celle-ci, vous allez les tricoter ensemble. Voilà, et c'est comme ça que vous pouvez vous y repérer. Et là, on a la... Voilà, quand on va pour se retrouver, ici, vous avez encore un jeté. Et ici, on va les tricoter en vert. Ici, vous voyez, vous avez une maille, et ça, on dirait, dans son endroit. Et donc voilà. Voilà, donc si. Voilà, quand vous voyez ici, donc la maille en vert, vous tricotez vos deux mailles ensemble en droit et dans l'autre sens, en vert. Donc vous avez vu, donc en fait le premier rang du pont, c'est le rang numéro 2, vous tricotez les deux mailles ensemble en vert. Et dans le rang numéro 3, vous tricotez les deux mailles ensemble en droit. C'est là où vous voyez, voilà, pour votre petit repère. Là je fais les mailles en vert, ici. Là je tricote les deux en droit. Parce que je vois le rang où je vois les mailles en droit. Et là, je vais le rabattre. Et donc, du coup, c'est que la maille que je viens de tricoter en vert, je la passe par-dessus les deux mailles que je viens de tricoter ensemble en droit.
Et là, j'ai ma maille avec le triangle. Je vais faire une maille envers. Et on peut rabattre. Donc, on poursuit. Et donc, on rabat. On continue avec sur ce principe-là que je viens de vous montrer. Voilà, donc là, après, on continue. Après, vous pouvez aussi encore tricoter ces deux mailles ensemble, comme ceci, comme je viens de le faire. Voilà, et après, je passe le fil dedans de cette manière-là. Ça, c'est aussi notre méthode pour gagner un peu plus d'élasticité au niveau de la maille. Voilà, après, il n'y a plus qu'à poursuivre. On peut, pourquoi pas utiliser cette méthode jusqu'à la fin pour pouvoir un petit peu comparer. Alors voilà, vous voyez, des deux côtés, vous voyez donc la méthode classique de rabattre pour rabattre les mailles, et puis la méthode que je viens de vous montrer, et vous voyez quand même une petite différence avec voilà, les différentes... Enfin, au niveau de ce que ça donne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à tricoter donc ce point. Et vous avez vu donc la technique, comment tricoter ça circulaire aussi. Donc, c'est toujours bien de savoir. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à très très vite. Salut !